Aujourd'hui, on est le... Décembre. Et j'ai invité mon petit frère. Salut. Pourquoi tu me caresses comme si j'étais un chiot? Parce que t'es mon petit frère. Comme vous pouvez constater, il a pas beaucoup de cheveux. Ah, mais moi, je suis dégueulasse en plus aujourd'hui. Je suis pas maquillée. J'ai rien fait. Bon, d'accord, ok. Dis pas ça, t'es pas si dégueulasse. C'est gentil de le dire. Et donc, moi, je fais des vidéos dans l'esprit de Noël, hein, tous les jours, vous le savez. Et nous, notre mamie, elle s'appelait Noël. D'ailleurs, Mamie Noël, venait le 24 décembre, dans une originalité folle. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle était... Non, elle est le 25 décembre. Non, elle est le 24 décembre. Le 24 décembre. Je suis trop nul avec les dates d'anniversaire. Donc, elle est le 24 décembre, Mamie Noël. Donc, elle s'appelait Noël, c'était son prénom, parce qu'ils se sont dit, tiens... Deux L. Pas comme la fête, parce qu'il y avait des problèmes de droit, donc ouais, c'est pas passé. Nous, dans l'esprit de Noël, on s'est dit, bah, quand on était petit, quand on allait voir notre mamie, et que c'était Noël, on faisait tout le temps un truc, c'est qu'on faisait des paniers en clémentine. Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle. On n'en a pas fait depuis quelle année, Romain? Depuis 1700... 89, la révolution. Charles Martel, à Poitiers. Donc, on faisait des paniers en clémentine. Donc, on va vous proposer aujourd'hui de faire un panier en clémentine. Un tuto panier en clémentine. Alors, moi, j'ai dit, tiens, je prends un couteau. Et Romain m'a dit, j'ai besoin d'un gros couteau. Donc, vraiment, est-ce que t'as quelque chose à compenser? Bah, déjà, moi, je fais ça... D'habitude, je fais ça avec des pamplemousses. Donc, non, c'est juste que j'ai pas l'habitude de bosser sur des pièces aussi petites. Fais gaffe, parce que c'est vraiment des gros couteaux. Ils sont moches, mais ils sont efficaces. Hein. Oui, mais ça va. Ok. Attends. Tu te rappelles comment il fallait faire? Oui, à peu près. Donc d'abord, alors, il faut faire... Est-ce qu'on peut pas faire un truc? C'est que on met un bouquin, comme ça, chacun fait de son côté, et on voit si on se rappelle de la même chose. Bah, mais de toute façon, bouquin, on va... Mais non, mais les gens vont voir, mais nous, on va pas voir. Tu vois, genre, je sais pas ce que c'est comme bouquin, là. On peut pas mettre ça comme ça. Et comme ça là. Mais moi vraiment je vois ton. Mais oui, mais pense. Faut qu'on fasse comme ça. Faut qu'on fasse. Attends, ok. Attends, toi. Comme ça les gens vont être perdus. Ils vont pas savoir ce qu'est la clémentine. Ou ton crâne. Où commence la clémentine, où commence l'artiste. Il faut séparer l'homme de la clémentine. Il faut séparer l'homme de la clémentine. 1, 2, 3. Mais comme c'est pas une course, on s'en fout. Ouais, c'est pas une course, mais le premier arrivé quand même. Mais alors dans mon souvenir, on faisait aussi des pompons. Ouais, mais là, comme c'est pas quand même non plus trop dans le thème. Bah, les pompons de Noël, les pompons de Noël. Ça se passe bien, toi, de ton côté? Écoute... Est-ce que tu crois que les gens, ils voient juste un crâne? Non, ils voient une clémentine parce qu'il y a une étiquette dessus. Alors attends. Ah mais oui, ça y est, je me rappelle que j'ai fait une connerie. je veux pas regarder parce que moi je pense que j'ai réussi. Oui, je pense que toi t'as réussi aussi. Bah, t'en sais rien, t'as pas vu. Ben non, mais j'ai entendu des bruits. T'as entendu des bruits de couteau qui coupe une clémentine. Tu t'es lavé les mains avant? Très important, lavez-vous les mains. Ah, parce que tu vas manger la clémentine, toi? Bien sûr. Attends, baisse-toi, je vois ce que tu fais. J'ai pas envie de tricher. Je veux pas que les gens disent... Mais les... Après, oui, et tout, c'est facile, il a regardé. En fait, c'est plus facile que dans mon souvenir. Mais on avait 4 ans et demi. C'est vrai. Mais tu te rappelles, après, on mettait une bougie, hein? Oh non, je l'ai cassée! Allez, hop. Oh non! Tu veux une autre clémentine? Ben, franchement, ça passe. Regarde. Franchement, j'aurais rien dit, personne n'aurait rien vu. Regarde. Moi, j'ai fini, hein. Ah ouais, bah non, pas moi, mais moi, je vais réussir, c'est ça la différence. Tu copies pas. Mais j'ai fini. Tu vois. Tu vas flister sur mon livre. Flister, bah c'est fait déjà. Oh non, mais tu rigoles. Oh non. Oh mais c'est une couverture, bah ça va. Oui, c'est un livre important. Bon. C'est cartonné. Et ben voilà. Ah bah voilà. Ça m'énerve, ça. Les gens n'ont aucun respect. Là. Oh putain, je... Alors c'est interdit au moins de 18 ans. Hein. C'est vrai que c'est un peu porno. Je voulais pas voir ça de toi. Non mais... Non mais là, je n'importe quoi. Non mais, il y a eu une sortie de route à un moment et
ça a été compliqué de retrouver le bon chemin. Parce que là, non seulement je vais pas la manger, mais en plus ça ressemble absolument pas à un panier, quoi. Non, mais j'ai fait une anse trop fine. C'est là où toi t'as eu. Voilà. J'ai fait une anse trop fine. T'aurais peut-être pas pris un couteau de kéké comme ça, hein. C'est pas une histoire de couteau. C'est... Alors attention, c'est pas une histoire de taille. Ça n'a rien à ça, voir. Ça, tu t'y connais. C'est une histoire de technique. Hein. D'accord. Une histoire de savoir-faire. Ah. Non, mais après, on le faisait sécher. Parce qu'une fois que ça sèche, du coup, il se rigidifie. Ouais. Et après, tu pouvais mettre... des petits pains des, ou... Des bouts de clémentine dedans. Des bouts de clémentine dedans. Et t'as gardé ton étiquette, là. Ah merde, c'est vrai. Donc, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans l'esprit de Noël, on n'a vraiment pas rendu hommage à notre mamie, quoi. Ni l'un, ni l'autre, mais surtout toi. Surtout moi, ouais. Et ben, merci, Romain. Est-ce que t'as une actu dont tu veux parler? Aller voir Fearless et la lesbienne invisible. Oh, mais quel petit faillot. Ouais, je sais. Voilà, et ben, une belle activité à faire avec les enfants, dans l'esprit de Noël. On est bien contents. Qu'est-ce que tu fais? Non, je sais pas, j'essaie. Non, gênant, c'est gênant. Non, c'est gênant. Et alors surtout, avant de partir, une dernière chose, Romain, peux-tu nous parler de ton outfit? Et ben, c'est un pull de Noël alien. Un pull de Naolien. Non. Non. Ne t'aventure pas sur ce chemin. Voilà, avec les xénomorphes, les facehuggers, les œufs, tout ça. Et autant vous dire que, oulala, je connais rien de tout ça. C'est vachement bien. Bah, faut que tu regardes Alien. Peut-être que j'aurai ça pour Noël. Alien? Oui. Ou un pull de Noël Alien ou... Non, je sais pas. Un DVD? Un DivX? T'as un DivX. Non, t'auras rien de tout ça. Je sais même pas ce que je sais même pas. Tu sais pas. Je sais même pas ce que je veux. Fanny, elle a pas encore commencé à réfléchir, c'est ça? Fanny, c'est notre sœur. Ouais, ouais. Faut qu'on se dépêche parce qu'on est quand même le décembre. Arrête. Et sous l'ordre sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'ombre d'un jus tombant, et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, cette folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps d'habitant, je suis parti dans le bon enfant.